Alors, mes chers amis, sans aucun doute, vous voyez à droite à gauche en France une photo d'une femme perse iranienne, une avocate. Elle s'appelle Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh, c'est une avocate iranienne qui est en prison pour défendre les femmes iraniennes qui ne veulent plus porter le voile. C'est tout. Alors en Iran, une des catastrophes quotidiennes, c'est ça, c'est-à-dire parmi les prisonniers politiques, vous avez même les prisonniers avocats ou avocates. C'est-à-dire même si vous êtes avocate et vous défendez quelqu'un, vous risquez d'aller en prison. Et c'était le cas de Madame Nasrin Sotoudeh qui avait même s'exprimer dans un film Taxi, vous l'avez vu sans aucun doute, Taxi de Jafar Panahi. Après, elle est allée en prison et elle a défendu les filles, les femmes iraniennes qui enlevaient le voile, qui ne voulaient plus porter le voile. On a arrêté ces gens-là et il est devenu défendeur comme avocate, et c'est son métier, de ces groupes de femmes iraniennes. Alors, elle était de nouveau allée en prison, une condamnation assez sévère. Ce qui est très intéressant, c'est que la France, comme Nations Unies, comme la plupart des pays démocratiques dans le monde, ils ont soutenu cette femme, Nasrin Sotoudeh, avocate, qui est en prison. Parmi même les dirigeants du monde, même président Emmanuel Macron, et il est intervenu. Et il s'exprimait en faveur de Nasrin Sotoudeh, comme elle écoutait. Alors, on est en train d'écouter Emmanuel Macron, mais malheureusement, notre truc n'a pas de son, soi-disant, il n'y a pas de son ici. Et la même chose, c'était pour également le Parlement français, même dans le Parlement français, on a soutenu Nasrin Sotoudeh. On va écouter les propos du Parlement et après on va revenir vers les propos de Macron. Voilà, on a envoyé le son, vous ne pouvez pas entendre, mais vous tapez Nasrin Sotoudeh sur YouTube ou Google, Nasrin Sotoudeh. Vous avez les propos de Macron et également les propos d'autres personnalités, même le Parlement.